Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo se poi perde la propria anima? Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus, appelant la foule avec ses disciples, il leur dit: « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie ? Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Mark. Jesus called to himself the multitude with his disciples and said to them, if any man would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake and the Gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life? The word of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Er rief die Volksmenge zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?
Palabra del Señor. Z Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi, mercoledì delle ceneri, mercoedì des cendres, reprendiamo come chaque année il cammino quaresimale, le chemin de carême, animé par un esprit intense de prière et de réflexion, de pénitence et de jeûne. Nous rentrons dans un temps liturgique fort qui, alors qu'il nous prépare à la célébration de la Pâque, cœur et centre de l'année liturgique de toute notre existence, nous invite, nous pourrait même dire, nous provoque à aggraver une plus grande force à notre existence chrétienne, puisque les engagements, les inquiétudes nous font tomber dans l'habitude et nous exposent au risque d'oublier cette extraordinaire aventure dans laquelle Jésus nous a impliqués. Nous avons besoin, chaque jour, de commencer de nouveau nos itinéraires de vie évangélique en rentrant à nous-mêmes grâce des arrêts restauratrices de l'esprit. Avec le rite des impositions des cendres, l'Église nous introduit dans le carême comme dans un grand retrait spirituel qui dure 40 jours. Nous rentrons donc dans un climat de carême qui nous aide à redécouvrir le don de la foi reçu avec le baptême et nous pousse à nous approcher au sacrement de la réconciliation en mettant notre engagement de conversion sous le signe de la miséricorde divine. Au début, dans l'Église primitive, le carême était un temps privilégié pour la préparation des catéchumènes au sacrement du baptême et de l'Eucharistie, qui étaient célébrés la veille de Pâques. Le carême était considéré comme un temps du devenir chrétien qui ne se réalisait pas en un seul moment, mais qui exige un parcours long de conversion, de renouveau. À cette préparation s'unissaient aussi ceux qui étaient déjà baptisés en rappelant le sacrement reçu et s'apprêtant donc à recevoir une nouvelle communion avec le Christ dans la célébration joyeuse de la Pâque. Donc le carême a encore aujourd'hui le caractère d'un itinéraire baptismal dans le sens qui aide à garder éveillée la conscience que l'être chrétien se réalise toujours comme un devenir de nouveau chrétien. Ce n'est jamais une histoire terminée qui est derrière nous, mais un chemin qui exige toujours des exercices nouveaux. En mettant les cendres sous la tête, le célébrant dit « Ressouviens-toi que tu as été poussière et que tu reviendras poussière. » Ou alors il dit l'exhortation de Jésus « Convertissez-vous et
croyez en l'Évangile. Les deux formules constituent un rappel à la vérité de l'existence humaine. Nous sommes des créatures finies, limitées, des pécheurs qui ont toujours besoin de pénitence et de conversion. Il est donc important d'écouter et d'accueillir cet avertissement d'une autre époque. Lorsque proclame son autonomie totale de Dieu, l'homme d'aujourd'hui devient esclave de soi-même et souvent se retrouve dans une solitude sans fin. L'invitation à la conversion, alors, nous pousse à revenir entre les bras de Dieu, Père tendre, miséricordieux, avoir confiance à lui et se confier à lui comme des enfants adoptifs régénérés par son amour. Avec pédagogie, l'Église dit que la conversion est tout d'abord une grâce, un don, qui ouvre notre cœur à la bonté infinie de Dieu. Lui-même, il prévient avec sa grâce nos désirs de conversion et accompagne nos efforts vers l'adhésion pleine à sa volonté salvifique. Se convertir, ça veut dire alors se laisser conquérir par Jésus et avec lui revenir au Père. La conversion demande de nous mettre humblement à l'école de Jésus, de marcher en suivant ses pas. Importantes, éclairantes sont les paroles avec lui-même, montrent les conditions pour être ses véritables disciples. Après avoir affirmé que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa propre vie à cause de moi et à cause de l'Évangile la sauvera. Après ces paroles, il a dit: à quoi bon gagner le monde entier si ensuite il perd son âme, s'il se perd lui-même? La conquête du succès, le désir du prestige et la recherche du confort, lorsque prennent toute notre vie et en excluant Dieu, conduisent donc vraiment au bonheur. Il peut y avoir bonheur authentique sans Dieu. L'expérience démontre qu'on n'est jamais heureux parce que l'on satisfait les attentes, les exigences matérielles. En réalité, la seule joie qui remplit de joie est celle qui vient de Dieu, parce que nous avons besoin d'une joie infinie. Dans les inquiétudes quotidiennes, dans les difficultés de la vie, ne pourront jamais éteindre la joie qui vient de l'amitié avec Dieu. L'invitation de Jésus à prendre sa propre croix et à le suivre peut sembler dur. Ça peut être même anéantir notre désir de réalisation personnelle, mais si nous regardons de plus près, nous pouvons découvrir que, bien au contraire, le témoignage des saints que dans la croix du Christ, dans l'amour qui donne soi-même, qui renonce à la possession de soi-même, dans la croix du Christ se trouve cette sérénité profonde qui est source de dévouement généreux à nos frères et surtout ceux qui sont dans le besoin. Et voilà ce qui nous peut nous donner de la joie, même à nous-mêmes. Le chemin de carême, de conversion que nous commençons aujourd'hui avec toute l'Église devient donc l'occasion propice, ou comme dit saint Paul, le moment favorable pour renouveler notre abandon filial à les mains de Dieu et pour mettre en pratique ce que Jésus nous dit sans cesse:
si quelqu'un veut, me suivre, qui se renie soi-même, qui prenne sa croix et qui me suive. Et ainsi, il pourra marcher sur le chemin de l'amour et du bonheur. Dans le temps de carême, l'Église propose des engagements spécifiques qui accompagnent les fidèles dans cet itinéraire de renouveau intérieur, la prière, le jeûne et la charité. Dans le message pour le carême de cette année, qui est publié il y a quelques jours, j'ai voulu souligner la pratique de l'aumône, qui représente de façon concrète d'aider ceux qui sont dans le besoin et en même temps un exercice ascétique pour se libérer du d'être trop attaché au désir terrestre. Nous savons combien le désir de biens matériels a envahi la société d'aujourd'hui. Et nous sommes appelés à utiliser les biens terrestres, à ne pas les désirer, mais les utiliser pour aider les autres, ceux qui sont dans le besoin. Avec la pratique de l'aumône, l'Église nous aide et nous apprend à aller vers notre prochain, en imitant Jésus, qui, comme dit saint Paul, est devenu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. À son école, nous pouvons apprendre à faire de notre vie un don. En imitant, nous pouvons nous rendre disponibles, non pas tellement à donner quelque chose de ce que nous avons, mais à donner nous-mêmes. Et j'ai ajouté, l'Évangile, pour l'Évangile, l'élémone pratiquée avec foi devient un moyen pour comprendre et réaliser notre même vocation chrétienne, notre véritable vie humaine. Lorsque, en effet, de façon gratuite, on s'offre soi-même, le chrétien témoigne qu'il n'est pas la richesse matérielle à dicter les lois de l'existence, mais l'amour. Chers frères et sœurs, demandons à la Madone, Mère de Dieu et Mère de l'Église, de nous accompagner dans ce chemin de carême, afin qu'il soit un chemin de véritable conversion. Laissons-nous guider par elle, et nous pourrons arriver intérieurement renouvelés à la célébration du grand mystère de la Pâque du Christ, révélation de l'amour miséricordieux de Dieu. Je vous souhaite un bon temps de carême à vous tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, le Collège Saint-Joseph de Saint-Cloud, le Collège Sainte-Croix d'Orléans, le Collège Henri Matisse de Montreuil-sous-Bois, de la Principauté de Monaco, le groupe de l'International Police Association.
de Suisse, le groupe de jeunes de la paroisse de Grangette. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le mercredi de Cendre nous fait entrer dans le carême. C'est l'occasion de recommencer un itinéraire exigeant de vie évangélique et de renouvellement intérieur dans un esprit de prière, de pénitence, d'aumône et de jeûne. Ce temps fort liturgique nous prépare aux fêtes pascales, centre de l'année liturgique. Il nous aide à redécouvrir la foi de notre baptême et nous pousse à recevoir le sacrement du pardon. L'imposition des cendres nous introduit dans le carême comme dans une grande retraite spirituelle. Dans l'Église primitive, c'était le temps privilégié pour la préparation des catéchumènes au baptême et à l'Eucharistie, célébré lors de la veillée pascale. L'invitation à la conversion est un appel à revenir vers Dieu, Père tendre et miséricordieux, à avoir confiance en lui comme fils adoptif régénéré par son amour. Se convertir consiste à se mettre humblement à l'école de Jésus pour trouver la vraie joie. Prendre sa croix peut paraître dur pour notre désir de réalisation personnelle, mais cela ouvre à la sérénité, à la générosité envers nos frères, spécialement les plus pauvres. Demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, de nous accompagner pendant ce carême, pour que ce soit un chemin de conversion véritable. Bon carême à tous. Je suis heureux. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Je salue particulièrement les jeunes et les groupes de l'International Police All Association avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to your holiness their Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles anglophones. For your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the 59th School of Ecumenical Studies at the Bassey Ecumenical Institute. From England, students and staff from St. Mary's Sixth Form College, Middlesbrough. And from the United States of America, the Assumption of the Blessed Virgin Mary Church Choir from Denver, Colorado. Thank you.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless as well any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today, Ash Wednesday, marks the beginning of our annual Lenten journey of prayer and penance. In the early church, Lent was a time when catechumens prepared for baptism, accompanied by the prayers of the whole Christian community. Today, too, the Lenten season is a privileged moment of conversion and spiritual renewal for the whole church. The rite of the imposition of ashes is a summons to return to God, and in doing so to discover authentic freedom and joy. Jesus reminds us that only by losing our life will we truly find it. Our ultimate fulfillment is found in God alone, who satisfies our deepest longings. By taking up our cross and following the Lord, we experience redemption, inner peace, and loving solidarity with our brothers and sisters. During Lent, in addition to prayer and fasting, the Church invites us to practice almsgiving as an expression of our desire to imitate Christ's own self-giving and His generous concern for others. As we set out once again on this journey of spiritual renewal, may Mary, Mother of the Church, guide us to fruitful celebration of Easter. A blessed Lent to all of you. This morning I am especially pleased to greet the delegation of government leaders from Lebanon, Iraq and Jordan, and I offer my prayer for... Le Saint-Père salue les leaders de Jordanie, d'Iran. Et Saint-Père offre sa prière et ses souhaits pour tous les efforts pour la réconciliation de cette région pourront avoir du succès. Je salue aussi les participants de la Great School, de l'Institut Force Ecuménique. Je remercie aussi le chœur pour les prières à Dieu adressées. Je salue aussi tous les fidèles venus d'Angleterre et des États-Unis. Saint-Père qui termine donc avec sa bénédiction apostolique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Kilian Haßfurt, St. Stefan Havangen, St. Martin Schwarzach, Herz Jesu Templin. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus dem Bistum Hildesheim. Pilgergruppen aus folgenden Städten: Eidenbach, Einring, deine Fluren, Schirr.
aus Dietmannsried, Eisingen, Mutlangen, Schwäbisch Gmünd und Kaufbeuren, aus Pocking, Rottweil, aus Schlangen und aus Waiblingen. Des Weiteren ist gemeldet eine Gruppe mit der christlichen Erwachsenenbildung Merzig. Eine Gruppe Jahrgang 1940-1946 der Pfarrei St. Lubentius Limburg-Dietkirchen. Chor Mosaik aus Mainaschaff. Die Michelangelo-Forschungsgruppe der Universität Witten-Herdecke. Eine Schülergruppe des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums in Bamberg. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind gemeldet Professoren und Studenten der Theologischen Fakultät Fribourg. Schüler vom Benediktinerkloster Engelberg. Aus der Republik Österreich sind zugegen Studenten der Ausbildungsgemeinschaft Missionshaus St. Gabriel Wien. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind gemeldet Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Himmelfahrt Meran und den Pfarreien zum heiligen Leonard, St. Leonard in Passaia, zum heiligen Antonius von Padua in Walten und zum heiligen Josef Stulz. Sowie Studenten des Seminars Vincentinum Brixen und Ministranten der Pfarrei Maria Himmelfahrt Bruneck. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Saint-Père accordera sa benediction apostolique, benediction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades, tous ceux qui sont dans le besoin. Saint-Père qui bénira aussi les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Et voici donc le résumé de la catéchèse en allemand. Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt, wie wir wissen, die Fastenzeit. Diese Wochen vor der Feier des Osterfestes sind in der Kirche seit den ersten Jahrhunderten wesentlich eine Zeit des Katechumenats, der Vorbereitung auf den Empfang der Taufe und der Eucharistie. Aber auch alle, die bereits getauft sind, sind eingeladen, sich ihres Christseins klarer bewusst zu werden, neu auf die Taufgnade zuzugehen. Denn Christen sind wir nie fertig, sondern wir müssen es immer neu werden durch die Bekehrung des Herzens, durch den Empfang der Sakramente und das Mitgehen mit Jesus Christus auf seinem Weg. Zu diesem Christwerden, das wir besonders in der Fastenzeit einüben sollen, empfiehlt die Kirche einige besondere Werke, nämlich Gebet, Fasten, Almosen geben. In meiner diesjährigen Botschaft zur Fastenzeit habe ich besonders auf die Praxis des Almosengebens, das heißt des Teilens unserer Güter mit den anderen, Bedürftigen, Bezug genommen. Almosen geben stellt eine konkrete Weise dar, dem Notleidenden zu Hilfe zu kommen und ist zugleich eine Übung zur Befreiung von der Gebundenheit unseres eigenen Ich an die äußeren materiellen Dinge.
Das Vorbild Christi führt uns noch einen Schritt weiter, nicht nur etwas zu geben, sondern uns selber zu geben. Indem wir ihn nachahmen, wächst die Bereitschaft, nicht nur Besitz wegzugeben, sondern selber frei zu werden von uns, wie es die Lesung uns gesagt hat, die zunächst befremdend klingt. Wer mir nachfolgen will, soll das Kreuz aufnehmen, sich verleugnen. Wir wollen doch nicht uns verleugnen, sondern uns gewinnen. Aber der Herr sagt uns gerade, wer nur sich selber möchte und sein Leben für sich selbst möchte, verliert sich. Und nur wer sich gibt, kommt zu sich selbst. Das ist es, was der Herr uns mit der Kreuzesnachfolge sagt, diesen Weg des Sichgebens, der der einzige Weg des Sichfindens ist, die Befreiung von der Bindung an das Materielle, das Äußere und das Wachwerden für den inneren Reichtum der Wahrheit, der Liebe und so reich werden für die anderen und miteinander das wahre Leben finden. Ganz herzlich heiße ich die Pilgerbesucher aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol willkommen. Die Liturgie des Aschermittwochs. Et fidèles de langue allemande. La liturgie de ce mercredi des cendres nous annonce avec la parole, avec le signe, que nous sommes des créatures qui ont besoin du don de la conversion. La prière, le genre, la charité nous aident à reconnaître et à vivre notre vocation chrétienne. Saint-Père souhaite un bon temps de carême à tous les fidèles germanophones. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole et des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España. Parroquia de El Salvador en La Roda, Albacete. Parroquia de San Juan Bautista de Carballo. Grupo de peregrinos de San Sebastián. Asociación de Palabra Culta y Buenas Costumbres. Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la Isla de La Palma. Instituto de Ingenio de Gran Canaria. De México, distintos grupos de peregrinos. Grupos de peregrinos de Portugal, de Porto, Espino, Braganza, Miranda.
Grupo de visitantes de Nogueiro e Tenoes, Colegio da Reina Santa Isabel de Coimbra, y grupos de peregrinos de grupos de peregrinos de distintos países de América Latina. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol maintenant. Queridos hermanos y hermanas, hoy, con el rito de la imposición de la ceniza, la Iglesia nos introduce en la Cuaresma, que es como un gran retiro espiritual de 40 días, en el cual se nos invita a redescubrir el don de la fe recibida con el bautismo y acercarnos al sacramento de la reconciliación, poniendo nuestro esfuerzo de conversión interior bajo el signo de la misericordia divina. Convertirse es acudir a la escuela de Jesús y seguir dócilmente sus huellas. A la luz del Evangelio, la Iglesia propone a los fieles algunos compromisos específicos para este itinerario: la oración, el ayuno y la limosna. Sobre esto último he querido detenerme en el mensaje para la Cuaresma de este año. El cristiano está llamado a no idolatrar los bienes terrenos, sino a utilizarlos como medios para vivir e ayudar a los necesitados, imitándose al Señor, quien según San Pablo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue maintenant les pèlerins de langue espagnole. Saint-Père salue des fidèles venus de différentes villes d'Espagne. Et ainsi que du Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. De las parroquias de El Salvador, de la Roda y de San Juan Bautista de Carvalho, a la Asociación Palabra, Culto y Buenas Costumbres, así como a los demás grupos procedentes de España, México y de otros países latinoamericanos. Laissons-nous guider par la Vierge Marie dans le chemin de Carême et nous arriverons renouvelés intérieurement à la célébration de la Pâque du Christ, révélation de l'amour miséricordieux de Dieu. Je vous souhaite à vous tous un bon temps de Carême. Merci beaucoup. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Saúdo cordialmente a todos, nomeadamente os grupos dos parroquias do Espinho e Ameal no Porto, de Nogueiro e de Nois em Braga, da Diocese de Bragança, Miranda,
e ainda al Collegio Reina Santa Isabel de Coimbra. De bon augure est cette est notre rencontre en début de ce carême qui appelle tous à une conversion plus profonde. Laissons-nous conquérir par Jésus et avec lui revenir entre les bras du Père. Père miséricordieux. Et nous trouverons donc cette joie qui ne meurt jamais. Le Saint-Père termine son allocution en portugais en souhaitant un bon temps de carême aux fidèles portugais. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Grupa z parafii Miłosierdzia Bożego z Chełmka, archidiecezja krakowska. Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z Grudziądza, diecezja toruńska. Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek z Krakowa. Przedstawiciele samorządu Świątnich Górnych, województwo małopolskie. Grupa turystyczna Rainbow Tours z Łodzi. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli tu zebranym apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również ich rodziny, dzieci i młodzież, a szczególnie ludzi chorych i cierpiących. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiaj, w Środę Popielcową, jak co roku, wchodzimy w czas Wielkiego Postu, ożywieni duchem modlitwy i refleksji, pokuty, postu i ofiarnej miłości. Rozpoczynamy szczególny okres liturgiczny, który przygotowuje nas do celebracji Wielkiej Nocy i zaprasza nas, można powiedzieć, prowokuje, abyśmy nadawali naszemu chrześcijańskiemu życiu bardziej zdecydowany kształt. Ponieważ codzienne zajęcia, troski i niepokoje powodują, że wpadamy w rutynę i wystawiają nas na niebezpieczeństwo zapominania o tym, jak niezwykła jest rzeczywistość, w którą wprowadził nas Jezus, trzeba, abyśmy każdego dnia na nowo rozpoczynali naszą wymagającą drogę życia ewangelicznego, zatrzymując się na chwilę i wnikając w nas samych dla ożywienia ducha. Przez antyczny ryt posypania popiołem Kościół wprowadza nas w Wielki Post, jakby w trwające 40 dni rekolekcje. Klimat tego czasu pomaga nam na nowo odkryć wielkość daru wiary, jaki otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym i skłania nas, abyśmy przystępowali do sakramentu pojednania, zawierzając Bożemu Miłosierdziu nasz wysiłek nawrócenia. W Wielkim Poście Kościół, idąc za Ewangelią, proponuje, abyśmy w sposób szczególny podejmowali środki duchowej odnowy, jakimi są modlitwa, post i jałmużna.
Chers frères et sœurs, nous commençons le temps de carême, que soit pour tous un temps de véritable conversion, afin que, renouvelés dans l'esprit, nous puissions participer au mystère de la rédemption et jouir le jour de la résurrection. Bien volontiers, je vous bénis. Des salutations en tchèque. Je salue les fidèles venus de Losinski et Rapotin. Aujourd'hui, avec l'imposition des cendres, nous rentrons dans le temps de carême, temps de prière, de pénitence, qui nous conduit à la conversion. Profitons de ce temps de grâce. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti le figlie della carità. Les filles de la charité. Comitato Beato Pio IX da Senigallia. Le comité de Bienheureux Pio IX avec son Excellence Monseigneur Odi Fusipecci. Parrocchia Santi Nereo e Achilleo in Milano. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Parrocchia San Raffaele Arcangelo al Trullo in Roma. Associazione UCIM di Maruggio. Gruppo Piccoli Cantori di Merano. C'était le groupe des petits chanteurs de la ville de Merano, au nord de l'Italie. Istituto Don Orione di Palermo.
gruppi di studenti, liceo Dante Alighieri di Latina. Scuola L'Arca di Legnano. Scuola Salvatore Quasimodo di Salerno. Istituto Losana di Biella. Istituto Comprensivo di Torre de Passeri. Dalla Svizzera, parrocchia San Vitale in Chiasso. Coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, on salue un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Comincio con un appello. In questi giorni, ces jours-ci, je suis particulièrement proche aux populations du SIAD, du Tchad, bouleversées par des affrontements qui ont causé de nombreuses victimes parmi les civils de la capitale. Je confie à votre prière et à votre solidarité ces frères et sœurs qui souffrent, demandant que leur soient épargnées d'autres violences et que soient assurer la nécessaire assistance humanitaire. Et j'adresse un appel afin que les armes soient déposées et que l'on trouve le chemin du dialogue et de la réconciliation. Je salue maintenant les pèlerins de langue italienne. Je salue particulièrement les petits chanteurs de Merano. Je vous remercie de votre chant et je vous encourage à poursuivre avec joie votre engagement d'animation liturgique. Je salue aussi les représentants du comité Pineuf de Senigallia venus à Rome à l'occasion du 130e anniversaire de la mort du bienheureux Pie IX, dont la mémoire liturgique sera célébrée demain. Je vous remercie de votre engagement
qui veut rappeler l'attention sur la figure et les vertus de ce grand pontife qui accomplit avec charité la mission de pasteur universel de l'Église, ayant toujours comme objectif le salut des âmes. Dans ce long pontificat, marqué aussi par des événements troubles, il essaya d'affirmer avec force les vérités de la foi chrétienne face à une société exposée à une sécularisation progressive. Son témoignage de serviteur courageux et indompté du Christ et de l'Église constitue aujourd'hui aussi un enseignement lumineux pour nous tous. Je souhaite de tout cœur que cet anniversaire contribue à faire mieux connaître l'esprit et le visage de mon prédécesseur et en faire apprécier encore plus sa sagesse évangélique et sa force intérieure. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés, invitant tous à accueillir avec promptitude et à réaliser avec persévérance l'invitation à la conversion que l'Église aujourd'hui nous adresse de façon particulière. Merci. Celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je vous rappelle le rendez-vous de cet après-midi à partir de 16h30. Vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane à la cérémonie de l'imposition des cendres, cérémonie présidée par le Saint-Père. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Imedia, Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous tout à l'heure, 16h30, en direct de la Basilique Vaticane. À vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.